Shutterstock Music. Shutterstock Music. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de la Cavalée saison 2 sur FS19, bien sûr, toujours. J'ai pas beaucoup avancé hein, parce que voilà, c'est pas le jeu qui a bugué, mais c'est moi. Depuis hier, j'ai bugué. Voilà, petit souci, j'ai eu un peu peur qu'aujourd'hui j'arrive pas à vous tourner cet épisode parce que je ne bouge plus mon épaule et mon bras, comme s'il était un peu handicapé. Là, mon médicament. C'est ma maladie hein, qui est revenue un peu, qui s'est réveillée depuis hier. J'avais pas grand chose, mais alors hier soir, impossible de lever le bras. Du reste, je vous dis d'avance aussi, vous voyez que je pars dans le décor avec le tracteur, ou voilà, que j'arrive pas bien à faire les choses. C'est pas des feuilles, c'est que j'ai de la peine à. Ça va, c'est la droite. Hein. Mais pour toucher le joystick, ça me fait très mal parce que je peux pas lever le bras. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis. On va aller se faire un peu de sous parce qu'il faut quand même qu'on loue, qu'on puisse aller louer le semoir et aller semer là-bas l'autre champ qu'on a labouré ensemble. Du reste, merci à vous pour tous ces commentaires, ces pouces bleus. Du reste, ça fait pas mal de vues en peu de temps cet épisode. J'en suis très content. En tout cas, merci encore à vous. Donc, on va les vendre, on va regarder. Excusez-moi. On va regarder en premier le tournesol. S'il est monté un peu, c'est monté un peu là au moulin gras. Donc bon bah on n'a pas le choix. De toute façon, je suis obligé de vendre ces 11 000. Donc 867 euros. On verra ce que ça nous rapporte. Alors on va mettre ça, la marque, parce que je sais pas. On va poser monter dans le tracteur. On va juste poser ça. Hop. Voilà, et on va crocher. Ah, ouais, j'ai un peu de peine. Alors, j'espère que j'arriverai à vous tourner l'autre épisode. Bien sûr qu'il y a un moment qu'on vous l'attendait. Hein, pourtant, je l'ai assez répété hein, que le papy au Val de Bagne, c'est seulement le dimanche. Voilà, alors ne me demandez pas à chaque fois. S'il vous plaît, vous inquiétez pas, la série là elle sort. Comme je l'ai dit pour l'autre série, le Val d'Or, y a eu une mise à jour, j'ai dû recommencer. J'ai pas pu. Hier j'étais pas là, vous avez pu voir que je vous ai quand même vite fait un épisode avant de partir parce que j'avais des examens justement à l'hôpital. Donc voilà, je veux pas débâcler sur ma vie privée. Commencer à remplir. Donc, ouais. Donc blé, on n'en a pas. Merci de me le dire qu'il est vide. Faudrait quand même que je fasse un peu de sous pour quand même. Mais bon, c'est vraiment. J'ai un abonné qui m'a marqué un commentaire là, qui m'a dit qu'il faisait la même chose que moi et que c'était très dur. Oui, en effet, c'est très dur. Bah, moi, je trouve c'est bien. C'est poussé. Hein. Moi, j'aime bien ces défis. Mais c'est, je trouve, un peu poussé au niveau des prix. C'est vraiment pas cher quand on voit. Et surtout, bah, c'est les prix des champs qui sont très chers. Et puis aussi des bâtiments à placer. Hein. Si je regarde rien que la maison, c'est 350 000. Et la maison, elle sert à quoi? Juste aller dormir. Il faudra de toute façon qu'on teste ça. On va regarder la carte. Ah ouais, il y a du chemin. Donc on va retourner là, là. Et puis on passera, bah tiens, on passera vers d'en haut du champ 12, comme ça. On verra. Bah, j'ai jamais passé là-bas. On va laisser quand même peut-être la petite carte. On va se mettre en vue intérieure. Moi tout va bien, tout va bien. Moi toujours pas, à part moi qui a bugué. Mais bon, moi je peux pas me réinstaller ni faire de mise à jour hein. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai un peu peur parce que ça fait très très longtemps que j'ai plus eu ça normalement. Et bon bah j'ai pu prendre un médicament, ils m'ont autorisé à prendre un médicament assez puissant. C'est pour ça que j'arrive hein, plus ou moins là à vous tourner cet épisode que j'ai un peu peur. J'ai aussi le genou qui commence hein. Va me faire mal, j'espère que c'est pas la même chose.
parce que lundi, ben voilà, j'ai des choses à faire lundi. Comme vous pouvez le savoir, je voulais vous en parler dans l'épisode de demain, mais comme je vous avais averti hein, plusieurs fois, à partir de la semaine prochaine, ben, il y aura ben, de toute façon pas de live pour le moment. Peut-être qu'un soir, je serai en live avec l'équipe de la famille du Valaisan, mais c'est pas sûr parce que je me lève très tôt. À voir, il faudra voir comment on va jongler ça, mais les épisodes, bah, je tâcherai parce que vu que je vais rentrer, vous aurez plus en fin d'après-midi ou en soirée, le temps que je tourne. Bon, ça va, là, j'arrive à poser mon bras sur le panel. Ça va grimper un petit peu, là. C'est bien, hein? Moi j'aime bien cet endroit, je suis jamais passé là. Ouais, les champs, là, je ne peux même pas regarder le prix. Des grands champs, si j'enlève le clignotant, ça ira mieux. Bon, ben, le petit Hurlimann là avec 11 000 derrière, on va voir s'il arrive à bon faire la pente là. Avec ce réalisme, j'ai été aussi nombreux à me dire prends une petite barre de coupe parce que ça va pas. Ah, ben, je vois la marque là-bas, donc on n'est pas si loin que ça, on y arrive gentiment. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va voir déjà ce que ça nous rapporte ce tournesol. Peut-être que est-ce qu'on passerait parce que bon, ça m'embête de louer un cultivateur pour passer le champ qu'on a fait ensemble, le labourage. Parce que vu qu'un des semoirs, on le fait direct, hein, ce sera un peu bête. Mais je crois que qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire? Ah, je vais peut-être aller au magasin déjà revendre l'herbicide pour le moment. Peut-être qu'on ira juste faire du traitement à un champ. Parce que je crois que j'ai du traitement à faire. Pour l'instant, l'herbicide, je ne veux pas le vendre. Vous savez que vous pouvez revendre les palettes. Il hein. Y a même des choses qu'on a pu voir dans la dernière vidéo de El Patou et de Juju, que je salue du reste. Que Patou, j'allais dire Petou. Patou explique qu'on peut redécharger des smores et que ça referait des big bags. Ça c'est pas mal. Allez les amis, on va vendre ce tournesol. On va enfin découvrir combien je vais pouvoir m'acheter de chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'ils ont remis l'indication? C'est la première fois que je vends. Hein. Pour tout vous dire, là-bas ça grimpe pas mal. Hein, ce que je vois en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais bon, 9 609 euros, ça va nous permettre quand même de louer une ou deux choses. Je vais remettre la bâche. Alors, j'ai quelques modes là qui sont sympas. Oh, demandez pas le lien parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai des modes qu'il faut vous inscrire sur LS Company. C'est pas privé, hein, mais il faut vous inscrire. Voilà quoi. Alors, peut-être on changera cette remorque. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Parce qu'il y avait un truc que je me suis dit, bah tiens, pourquoi je revendrais pas ça? Je sais plus. Je sais plus, les amis. Je regarderai. De toute façon, cet épisode, ben, comme l'autre, un peu, on va pas faire grand-chose. On va aller retourner à la ferme, quoi. Ce semblant de ferme, parce que pour l'instant, ben, j'ai pas d'hangar. Donc, voilà. J'espère acquérir peut-être les poules. Hein. Tout le monde, comme Juju et Patou disaient, hein, tout le monde fait des poules. Parce que ça paye bien. Hein, ça paye bien, il paraît. Les œufs, hein, ben ça a changé. Avant, c'était la laine, comme je le disais. Maintenant, c'est les œufs. Mais il faut comment ça. Oh, les poules sont pas chères. Par contre, je me rappelle plus combien c'est le petit poulailler. Il faudrait que je regarde ça. Puis à la limite, placer un petit poulailler là-bas. Où... Ah, mais j'avais dit oui de louer. Voilà, je me suis rappelé, les amis. Je vous ai dit dans l'épisode qu'on allait louer à la limite une faucheuse, faucher l'herbe qui est là-bas avant de placer un bâtiment. Ah bah voilà, bah on va aller peut-être faire ça vite fait, déjà de faucher, et on fera de l'enrubannage pour voir si on peut vendre l'enrubannage. Mais il me semble qu'on avait regardé ensemble que bah, ça rapportait pas non plus grand-chose. Non, je ne vais pas changer maintenant, on va continuer la route. Je me suis trompé, j'aurais dû tourner avant pour rejoindre. Oh, je n'avais même pas vu qu'il y avait un petit étang. Pas un petit étang, hein, un petit étang. Je sais pas si on peut prendre de l'eau gratuite là. Je sais pas s'ils ont fait ça sur le nouveau. Le multi avec GFIT Farmer, hein, mon ami Jérémy, que je salue. Du reste, au passage, je salue toute l'équipe de la famille. Bah ouais, on attend parce que bah voilà, il faut attendre qu'il ait plus ce souci, qu'il sorte le patch. Pour l'instant, ils sont pas pressés de le sortir, il me semble.
parce qu'ils ont trop de boulot à réparer les choses. Maintenant, est-ce que je prends ce petit tracteur pour faucher? On va décrocher la remorque, on va aller au concessionnaire chercher une petite faucheuse. Comme ça, on va voir. De toute façon, même que ça rapporte 300-400 euros, c'est toujours ça. Ça dépendra combien de balles on fait. Donc, vous pouvez constater que je suis toujours fuite, moi. Alors, j'ai pas activé le log pour voir les SPS, mais bon, de toute façon, c'est fuite. Est-ce que je te doublerai pas, Kono? Hein? Ouais, ça va. Bon, les voitures, elles sont tous les mêmes, hein, à part deux ou trois. Je trouve que, ouais. Après, au fil des maps qui vont sortir, on verra tout ça. Voilà, voilà. Alors, on va louer. Vous voyez que j'ai encore du fertilisant qu'il faudra que je vienne chercher avec l'autre tracteur, le petit masset. Et l'herbicide, à la limite, je me demande si je vais pas le revendre. Mais j'ai peur que... Je regarderai de mon côté. J'ai peur que il faudrait mettre déjà de la chaux sur le terrain que j'ai laboué. Ou du solide, on verra quoi. Mais je voudrais bien, j'ai pas regardé les nouveaux silos que j'ai mis en mode plaçable, combien ils sont. Pour l'instant, là, on va aller louer une faucheuse. J'avais dit qu'on louait cette petite cune là qui doit faire sauf erreur. Ah, ouais, j'ai de la peine là avec la souris et mon bras. Faire comme ça, oh, de toute façon, il n'y a pas besoin de. Il me semble que ça bug un peu des fois, non? Louer 1280, donc ça va bien. On va la louer. Hop. Je pense pas que le petit Hurleyman aura de la peine. Oula, elle m'est presque tombée dessus le tracteur. j'ai le poids, donc on risque rien au niveau qu'il commence à faire des galipettes, le tracteur. Hop. Ouais, c'est des fois long avec cet inverseur. Des fois, c'est long qu'il redémarre les véhicules. J'espère qu'il. Sur le 17, ben voilà, on bouge. Est-ce que tu vas aller? Bon, normalement, j'ai un super poids à l'avant. Allez, les amis, on va enlever la carte parce qu'on n'en a pas besoin. Je sais où c'est. Je commence à avoir l'habitude. Faucher ce petit pré là-bas. Donc, on va pas le faner. On louera un endaineur. Et on verra combien ça coûte pour limite on prend une petite presse et on prendra la petite Ursus pour comment ça pour faire l'enrubanage. Et puis dans le prochain épisode on verra dans un de ces épisodes de quoi les vendre parce que de toute façon pour l'instant bah, j'ai plus rien à vendre. Voilà quoi. Alors on a dit avant que je l'écrase trop, on va peut-être se mettre en vue extérieure. On va rentrer par là-bas. Quoi pas ici. Quoi non, on va là-bas. Par contre, il aurait fallu que. Ouais, on va rentrer par l'autre côté. Pour essayer de pas trop écraser mon herbe. Ou alors. Ouais, ça va être compliqué là. Non, ça va pas être compliqué, mais il faut que je tourne dans l'autre sens pour pouvoir faire les choses correctement. Comme ça, là, on pourra placer un grand hangar ou les silos. Alors, tant pis, si je fais le bord du champ, on va déjà déplier ça. Comme ça, on va se rapprocher un peu, on n'a pas besoin d'être éloigné comme ça. On va essayer de mordre bien pour essayer de récupérer le plus possible. De toute façon, bah, il ne va pas en avoir des tonnes. Voilà, c'est activé, on va la descendre. Et puis, par contre, ouais, là-bas, ça va être un peu short. Ah, les corbeaux. Non, mais restez. Comme ça, j'ai pas besoin de vous plumer si vous passez dans la faucheuse. Ouais, on va pas trop aller trop loin. Par contre, là, ça va être embêtant parce que je veux pas écraser mes betteraves. Mais je veux pas écraser. Alors, tant pis. On est obligé de faire comme ça. Je veux pas écraser les betteraves. En écrasant un petit peu d'air. Tant pis. Ouais, ça, c'est peut-être un peu. Là c'est pas mal, il me semble que ça écrase pas là. Attends, si oui non, je sais pas. Allez, on va s'arrêter là, on n'a pas besoin aussi d'aller trop loin. Ah, il fait long quand à démarrer, c'est impressionnant quoi.
Surtout quand la faucheuse, on dirait que j'arrive pas à passer la vitesse. On va faire comme ça là, tranquille, pas trop dans la pente. Ah, c'est souvent, j'ai remarqué ça, c'est souvent quand on a allumé l'outil. Pourtant, j'ai mis le truc collision caméra, mais je sais pas s'il fonctionne. Pourtant, je l'ai bien mis, je l'ai activé, et il me semble qu'il ne fonctionne pas des masses. Allez, on va faire comme ça, puis on va repartir. Cette fois-ci, on sera bon. On sera du bon côté. Ça va rester, ouais, des bonnes herbes, là. Les vaches, elles ne mangent pas ça. Hein. On va se faire le petit bout là, tranquille. Voilà. Par contre, ouais, je voudrais bien de l'or parce que je pense que les amis, les premiers animaux comme. Ah, mais non, mais je suis dans le bon sens. Les premiers animaux, je pense, ça sera le poulailler. Comme ça, bah, peut-être que. Un abonné m'a aussi dit ben, pourquoi tu mets pas un ouvrier à une mission? On va peut-être faire des missions, mais il faut voir. Parce que si on perd déjà, parce qu'il faut louer le matos, voilà quoi. Je regarde les missions que je peux faire moi-même, à la limite de la fauche, maintenant que j'ai loué une faucheuse, peut-être ça. Mais bon, si la faucheuse pique ses missions, il demande comment ça d'endainer, bah, je vais en avoir un d'endaineur, là je vais le louer aussi. Mais par contre, ouais, il faudra voir ça. Donc on va faire ça, les amis, on va finir ensemble le champ là. Parce que c'est vrai que bah, il faut que je garde un peu les choses. Parce qu'autrement, bah, voilà, c'est vrai qu'en difficile, bah, c'est compliqué pour savoir ce qu'on va vous mettre comme contenu. Tant que bon bah là on est déjà bien remonté. Si ça se vend bien, comment ça les balles d'ensilage. Puis que bon, je ne vais pas en avoir des tonnes non plus. Il faudra voir le prix. On regardera juste quand on aura fini ça. Et j'essaierai, bon bah de toute façon demain il y a l'épisode de Papy au Val de Bagne, ben, ça va pas changer à grand chose parce que ah ben non je vous dis pas ce qu'on va faire demain. J'essaierai aussi de ressortir un épisode si j'ai avancé un peu sur la série là, mais comme je l'ai dit hier dans l'épisode, je sais pas, bon moi c'est pas mes habitudes de cheater, mais soit de pas aller trop loin. Maintenant, j'ai été un peu trop loin, j'ai failli dire ben, je recommence, et puis se dire on commence, on se met une somme dans le difficile en plus des 500 000 euros, comme ça on fait pas l'emprunt, on se met une somme, puis c'est de gérer ça, ce qui nous aurait permis déjà de mettre un peu les choses qu'il faut ici, pas de dire d'acheter tout le matos, hein, mais se dire voilà un peu plus, à la limite un peu plus de champs, qu'on puisse un peu plus travailler avec les champs. Et puis écoutez, de toute façon, voilà, au début, tant qu'il n'y aura pas des maps avec des fabrications un peu plus évoluées, ben ça sera toujours la même chose qu'on va voir, hein, de la récolte. Bon, après, il y a ces animaux qui sont un peu nouveaux, quoi. On peut choisir la couleur, ça c'est pas mal. À voir, quoi, à voir. Mais c'est vrai qu'en difficile, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de faire ça. Hop, reculer. Ah oui, il fait 3 heures. Faut chaque fois que je relâche la pédale, re-appuyer pour qu'il redémarre. Voilà. Comme si on avait l'inverseur. Bon, bah, écoutez, ça fauche bien pour l'instant. Cette, vu qu'elle coûte pas cher, parce qu'il faut que je fasse gaffe avec ces véhicules qui sont loués, bah, ça coûte cher par jour. On voit qu'on a bien avancé déjà aussi dans le temps. Peut-être passer là-bas. Juste un peu l'épaule qui embête. Voilà. Donc ouais, ça risque de peut-être aussi descendre les frais. Bon, c'est déjà bien, on est remonté, on avait 2000 et quelques. C'est vrai que ça, j'y pensais bien qu'on n'allait pas gagner 10 000 avec ce qu'on avait comme tournesol. Les autres sont en train de pousser, mais ça pousse pas vite. Il faut que je regarde si je ne l'avais pas mis en rapide ou je l'ai laissé en standard. Si on a un champ d'orge qui est à moi, autrement on en sèmera un là-bas, on a labouré comme ça, on pourra prendre les poules, les poulettes avec le cocoque. Pour dire ben voilà, on a déjà de l'orge, parce que je rappelle qu'on met pas d'eau, c'est juste de placer, d'acheter les poules qui coûtent 50 euros, je crois. Bon, ça va vite, hein, et de leur donner du blé ou de l'orge.
Après, là, je risque d'être un peu coincé. Parce que quand on voit le prix de certains hangars, alors je sais bien que en réel, ça coûte cher, hein, un hangar, mais à faire construire un hangar. Mais bon, après, leur version difficile, là, c'est un peu compliqué. Hein, parce que même avec les 500 000 qu'il y a au départ, si c'est soit vous faites votre ferme, puis à la limite, après, vous faites l'emprunt d'environ 500 000, on va finir ça, on va regarder si je peux emprunter, parce que normalement, au bout d'un moment, on peut re-emprunter. Ça fait un peu comme quand on avait le mode saison, on achetait des champs, automatiquement, on pouvait refaire un emprunt. Je vais laisser une touffe là-bas, pas laisser pour les corbeaux. Voilà, donc là, on a fauché ça. Je regarderai si je peux faucher à un autre endroit, parce que je crois qu'il y a là-bas aussi qu'on pourra faucher. Mais bon, on va déjà en dénicher ça la prochaine fois. Voilà, on va couper. Je vais la poser ici. Hein, c'est un peu con. Elle est bien vide à part avec ce petit silo là, c'est tout. On va poser ça là. Faut que je la pille. On va la relever. C'est plus, il faut la piller pour la poser. Je me rappelais plus déjà. Bon, la vidéo là, elle déjà fait un peu. Ouais, je voulais pas faire si long que ça, mais bon. Ah mais non, mais. C'est pas ça que je voulais faire. Faut pas la descendre. Faut juste la décrocher. C'est vrai que bon elle se lâche de haut. C'est un peu con qu'on peut pas la descendre. Voilà, c'est fait. On va couper le moteur, je rangerai après. Ce qu'on va faire, on va aller là. Il faut que j'enlève cet enregistrement automatique. Et on avait regardé, je crois, la dernière fois. On sait pas si c'est ça. Bon, tant pis, hein. Bon, 185 euros, je pense c'est 1000 litres. Donc normalement, elle doit faire 4000 litres. On verra. Bon, on verra tout ça dans la prochaine fois, les amis. Hein, moi, je vais essayer. Ouh, il commence à être sale, là. Ah, la salissure est vraiment quand même un peu mieux faite que sur le 17. Hein. Voilà. Après, comme il disait Jérémy, c'est vrai que ça se salit rapidement. Hein, voilà. Bon, écoutez, les amis, n'hésitez pas, le pouce bleu, les commentaires, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. J'essaierai, hein, si par exemple demain vous voyez pas l'épisode de Papy au Val de Bagne sur la map autrichienne, c'est que voilà que ça a empiré et puis que j'arrive pas à tourner malheureusement parce que je bug, pas le jeu mais moi. Voilà. Allez, tout de bon, comme on dit chez moi, j'ai pas perdu l'habitude et à très vite les amis.